Je pense aujourd'hui, nous ne pouvons pas tout débattre ici. Nous sommes venus juste conformément au programme présenté par le maître de cérémonie pour souhaiter nos meilleurs voeux. Remercier le CNRD et son président pour les actes courageux déjà posés et leur demander de continuer. Personne ne peut vouloir éviter les dires des hommes. Si tu es dans une action, tu juges l'action digne, honnête et bonne pour toi, pour le pays, continue dans l'action. Ne regarde ni derrière ni devant, continue. Parce que seul Dieu te jugera en fin de compte. Essayez de mettre en place un cadre formel permanent de dialogue politique où tout se discutera pour que les décisions futures, notamment politiques, qu'elles soient consensuelles. L'éternité n'appartient pas à un individu, ça appartient à un peuple. Et pour que cela soit, et de façon digne, il faudrait que les décisions prises requièrent l'avis de la majorité imposante du pays. Monsieur le Président, soyez constant. Que personne n'essaye de vous distraire sur des questions d'intérêt parfois inavouées. La constance d'un homme définit sa dignité. Car quelqu'un disait, lorsqu'il n'y a pas de cohérence entre le dire et le faire, la dignité humaine n'existe pas. Pour que celle-ci existe, il faut qu'il y ait l'harmonie entre le dire et le faire. Donc soyez constant dans votre élan patriotique pris depuis le 5 septembre 2021. Merci.